Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour l'épisode 2 sur Return to Arkham Asylum. Donc, rappelez-vous, le Joker s'était échappé de son étreinte ou entrainte, je ne sais plus exactement comment on dit. Et on était parti à la recherche du commissaire Jim Gordon. Alors, je ne sais jamais si on dit commissaire ou inspecteur, ça dépend des histoires et des périodes. En tout cas, j'espère que vous allez bien, ça me fait plaisir de vous retrouver et on continue, Oracle, je suis poursuit dans les cellules. l'histoire. J'analyse une scène de crime. Quel est le plan? Isoler quelque chose qui appartienne à Bowles? C'est bien ça. Bowles a laissé sa flasque. Quelle classe. Voyons ce que le scanner médico-légal indique. Je peux suivre les traces d'alcool du bourbon de Frank dans l'atmosphère. Par Oracle, chance, il était j'ai une alcoolique. piste. Génial, suivez-la. Oh, ça fait mal aux Cherchez yeux, ça. tout ce qui est disponible sur Arkham. Ça peut aider. À plus. Voilà, j'ai vu que dans l'épisode précédent, puisque je les tourne à la suite, mais j'ai regardé quand même, le son des voix était particulièrement fort. Donc je vais le baisser un petit peu. Entre-temps, je l'ai baissé. Mais c'est vrai que les volumes sont souvent assez forts. Donc je vais le mettre, ouais, ici, je pense que ça ira. De toute façon, je me rendrai compte à la fin, une fois que je checkerai tous les enregistrements. Mais il faut quand même qu'on m'entende un minimum, sinon je fais juste du gameplay sans parler. Et ça ne sert à rien. Il y a des chaînes qui font ça très bien. Puisque je ne prétends pas avoir le meilleur skill du monde. Et ça rendrait juste un truc un peu ennuyeux. Frank Bowles. Ce traître. Il y a un téléphone qui sonne ici. Où est-ce qu'il est? Alors je vous le répète, je n'ai que un écouteur. Oui, toujours des blagues de mauvais goût. Qu'est-ce qui Mais cloche? c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pour ça, le Joker, sans petite blague. Stupide. Pas fiable. Comment le Joker s'est-il libéré? Taisez-vous. Que se passe-t-il? Batman, Monsieur J n'a absolument pas envie que tu nous suives tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Gordon est remonté à la surface en ascenseur. Si je veux Déjà, la pouvoir les tenue elle est suivre, abîmée je là. dois faire ça à l'ancienne. À l'ancienne, elle a bien cousé. Je crois que c'est l'œuvre du Joker. Non. Quel scoop! Je leur ai dit, c'est un monstre. Faudrait le griller. Du calme, je l'arrêterai. Et c'est vrai que beaucoup se posent la question pourquoi Batman ne tue pas le Joker déjà par lui-même, par ses propres moyens, mais aussi pourquoi il ne le laisse pas se faire tuer par la justice américaine. Ça aurait pu être la chaise électrique ou l'injection létale. À aucun moment on n'entend parler de ça dans les histoires de Batman. Alors aussi, pour ouvrir les grilles, ça fait un peu de bruit, je suis désolé, j'espère qu'on l'entend pas trop. Il faut marteler la croix, tout simplement. Je sais pas ce que ça fait maintenir en étant suspendu. J'arrive pas à le faire, en tout cas. Alors je me rappelle que. Je peux passer ici. C'est bon, ramène-toi ici. Qui
qu'on a ici? Un truc à détruire. Deux trucs à détruire. J'ai pas de quoi casser ça encore. Donc ça me sert à rien. C'était juste un détour. Jusqu'ici, je ne vois plus de vapeur de bourbon. Hein. Je sais pas exactement si on va retrouver la piste. En tout cas, ça se précise petit à petit. Est-ce que je tombe ici? Ah non, ok. Ah, on voit les squelettes des mecs. Mais je me rappelais pas que c'était aussi grande distance le truc. Enfin, le scanner, la vue détective, appelez ça comme vous voulez. Je vais appeler ça le scanner, moi, ce sera plus simple. Mais je me rappelais pas que c'était aussi efficace. Maintenir pour scanner. Utiliser l'outil d'analyse de la manège. Sujet trop petit. Alors, on va zoomer. Comme ça. D'accord, donc ce sont des enregistrements. Je vous les diffuse pas, si ça vous intéresse, il y a sûrement plein de vidéos sur YouTube. Mais moi, je n'ai pas le temps. Je suis là pour me battre. Hop, on va enlever cette boue d'ailleurs. Hop. Bon alors, j'ai mis en difficulté normale, hein. Pas de soucis. Je sais pas si on pourra modifier ça. Bah il va bien et toi? Un petit cousin là, qu'est-ce qui se passe, hein? On est content? Hop. Alors oui, c'est peut-être ma manette qui a un temps de réaction fulgurant. En tout cas, ouais, j'espère que le martèlement des touches ne pose pas trop de problème. Mais j'ai pas à trouver de solution pour empêcher ça. Comment ça va? Des nouvelles de mon père? Rien, mais c'est pour bientôt. Harley Quinn voulait me ralentir. Elle m'a jeté un ascenseur. Et alors? Elle m'a jeté un ascenseur. Elle m'a raté. Je vous rappelle quand j'aurai fini de suivre la piste. J'imagine qu'il faut passer par ici. En tout cas, j'avais depuis très longtemps envie de faire un let's play comme ça. Mais il fallait que je trouve le jeu idéal. J'ai un enfant. Vous n'êtes pas obligé. C'est vrai. Et selon moi, celui-ci est pas mal. Parce qu'à la fois, il est super intéressant. Très bien réalisé et en même temps j'ai quelques périodes pour parler. Et même si je parle sur des dialogues là, on rate pas grand chose. Ok, donc j'ai un petit truc ici. Est-ce que je peux me foutre dans le coin? Je sais pas. Il est quelque part en bas. Reste caché. Ah non, je voulais pas rentrer dans le conduit. Je sais pas comment faire. Je me rappelle plus en tout cas. Donc ils sont armés. Oracle, ah, c'est ce qu'il fallait faire. Les hommes du Joker ont pris le contrôle du couloir de transfert du quartier cellulaire. On a un problème. Je me suis connecté à la radio d'un garde. On dirait que la bande du Joker a trouvé des armes. Je Effectivement. Sais. Je vais calibrer le mode de vision du masque pour isoler les hommes de main armée. Mon approche directe, c'est du suicide. Je dois la jouer fine. Trouver un autre moyen de les dépasser. Je vous aurais bien montré ce qui se passe quand on attaque de front. Mais on est là pour réussir. Juste un petit coup. Et on va les éliminer un par un. Si je me foire pas, évidemment. Alors moi, j'ai pour habitude de rester appuyé sur triangle. Je sais pas si en relâchant, ça fait une élimination directe. Mais je vais pas prendre le risque. Alors, la petite claque dans les fesses, là, qui fait plaisir. Et le dernier, je pense qu'il va le casser en deux. Ah non, il le fait aussi silencieusement. Ce couloir me dit quelque chose, j'ai l'impression que c'est par ici qu'on est arrivé au tout début, avec le Joker quand il était attaché. En tout cas, les voici neutralisés. Bonne chose de fait. Pas de problème, patron. Les gars terminent. Ces tarés d'Arkham n'ont jamais eu la moindre chance. Tiens, notre ami le rongeur est en route. Vous devez placer un piège. Il ne doit pas quitter ce bâtiment. Oui, patron. C'est comme si la chauve-souris était morte. J'espère
que tu tiendras tes promesses. Je détesterais devoir aller punir ta famille pour te donner une leçon. Et je te promets qu'elle ne rigolera pas. Mais Joker, fais-le, amuse-toi. Je sais que je vais m'amuser. En tout cas, j'espère que ces hommes de main sont bien payés. Hein. Parce que être menacé comme ça, plus se faire tabasser par Batman, il faut vraiment le vouloir. Comme disait Batman au début, c'était beaucoup trop facile en fait. Le plan du Joker, c'était de se faire capturer. Donc je sors pas tout de suite parce qu'il est juste ici et qu'il est armé. Je vais attendre qu'il s'éloigne un peu. Voilà. Je sais plus s'il ouvre bruyamment ou pas. Dans le doute. J'espère qu'il va pas juste se retourner. Au bon moment. Ça fait un peu peur, voilà. Alors, on va aller voir combien ils sont. 1, 2, 3... Ça m'a l'air faisable. Donc évidemment, il y a plusieurs façons d'appréhender la situation, mais là, facile à dire pour lui. Les gardes, enfin les sbires, sont armés. Et du coup, il faut pas y aller en frontal. Il faut plutôt essayer de se la jouer fine. Donc là, je vais carrément couper la parole, mais aucun de ses potes ne s'en rend compte. On va se faire celui là-bas. Et le dernier qui est en dessous, on le fera en dernier, je pense. Puisque c'est le moins exposé. Celui qui tue Batman a le premier prix. Une soirée. Ouf, j'ai peur qu'il se retourne. Je lui dirai peut-être. Oh, pourquoi je le ferai ? Cassette d'entretien. Bon, on va pas l'écouter comme je vous avais dit. Une soirée avec Harley. Moi, je me dénonce. Je sais pas vous, mais Harley Quinn, quoi. Alors lui, je sais pas comment on fait. On va essayer par là. Aucune idée. Je me rappelle plus trop. Ah non, on peut le faire carrément en coup de pied. Et voici dans les chicots. Oh bah derrière le crâne même. Je me disais bien que 3 était un chiffre un peu trop facile à mon goût. Le Joker le veut, on se sépare. Regardez ça, ils sont vraiment horribles. Il peut être n'importe où. Alors, certes, j'aimerais avoir leur musculature, mais quand même, pas leur tête. Donc ici, 3 armées encore. Moi, ça va 3 en fait. Je préfère qu'ils soient répartis 3 par 3 plutôt que 6 d'un coup. Oui, il m'a l'air un peu énervé. Je sais pas ce qu'il fait, il se met à courir. Les deux là-bas sont... Mais pourquoi ils sont aussi énervés en fait? On va se faire un peu de spectacle. Voilà. Donc là, évidemment, ça fait du bruit. Hein. Quand je leur mets des grosses patates dans leurs dents. Mais là, on est au début du jeu, donc on risque pas grand-chose au final. Et puis ça fait augmenter leur niveau de peur. Vous voyez, là on voit les battements par minute. D'ailleurs, je croyais que c'était battements par seconde, mais bon. Quelqu'un sait comment filer d'ici ? Faut le trouver, sinon c'est la tour. Je vais arrêter un peu avec cette vue-là. Même si moi, quand je jouais sans enregistrement, bien sûr, je passais ma vie comme ça, puisque on les voit beaucoup mieux. Enfin bon. Je pense que c'est plus agréable pour vous. Il n'est rien, mais sûrement pas un homme. Puis surtout, ça me permet de voir de quel côté il regarde. Hop. En espérant. Non, c'est bon, le dernier. C'est même pas retourné et descendu directement à l'échelle.
Un peu aveugle, le Michel. Voilà. Pas que je me mette juste devant. On va le faire aussi en élimination spectaculaire. Ah non, on peut pas. Faut que j'attende qu'il avance un peu. Chopez-le, les gars! Ramenez Batman parmi notre bande de cinglés! Voilà. Oh, je crois que c'est raté, ça. Par chance. Il est où? Hein? Merde. Désolé. Fail. Je suis sûr que ça vient de là-bas. En fait, je voulais voir où est-ce qu'il était, mais je me suis bourré de touches. J'ai utilisé le batarang rapide. Allez, on y va cette fois-ci. Pas d'erreur. C'est le sueur. Donc lui. Merde, putain, il fait exprès. Qu'est-ce que je fous ici? Voilà. Lui le dernier un peu embêtant, mine de rien. Il se baladait un peu partout et ça se faisait des soucis. C'était pas fameux. C'est par ici qu'on doit aller. Ah, c'est quoi ce truc? Oui, ça doit être par là. Aucune idée. Le Joker doit avoir compris comment je pistais Gordon. La trace de l'officier Bowles s'arrête ici. Magnifique. En tout cas, ce Bowles là, de base, il n'inspirait pas confiance. Hein. Balance. Mais attention, ne te coupe pas sur ce portrait finement observé. Alors il se trouve que c'est une des énigmes les plus faciles, parce que je m'en rappelle. Alors tu as réussi, bravo! Je m'attendais à ce qu'un enfant arrive à résoudre ça sans parler du plus grand détective au monde. Mais j'ai réussi enfin. Mais il est fou lui. Et voilà, tous les défis de l'homme mystère. On peut voir que j'en ai débloqué quelques-uns déjà. Détruit ces insupportables gadgets. Ouais, donc c'est les dentiers que je détruis depuis le début là. Batman, je suis là! Je vous ai vu évacuer la salle! Et tu voulais pas venir m'aider, non? C'était un beau spectacle, j'espère en tout cas. Je sais pas comment il a pu voir depuis cet angle toutes les autres gueules que j'ai cassées, mais bon, on va dire que c'est un boss. C'était un massacre. Bowles est arrivé en nous disant de protéger l'entrée de devant. Il a dit que la bande du Joker arrivait par la porte principale. Deux de mes gars se sont mis à la sortie, et Frank les a tués. Ils n'avaient aucune chance. Bowles était seul? Je croyais, mais j'ai vu Harley Quinn. Des détenus de Blackgate l'entouraient. Ils massacraient tout le monde dans la pièce. J'avais pas le choix. Je suis venu ici, j'ai fermé. J'ai tout vu sur le canal de sécurité. Ils avaient quelqu'un, on aurait dit le directeur. Bowles est mort. Ils ont continué sans lui. Il ne servait plus à rien. Bien. Il valait à rien. Sympa les collègues. Ce petit William North. Désolé mon pote. Ah donc il choisit bien ses potes. Une amélioration de plus. Combo spécial élimination permet à Batman d'exécuter une élimination instantanée, impossible à bloquer après avoir obtenu un combo de x8. Batman peut continuer à effectuer des attaques en chaîne après les combos spéciales. Après un combo spécial. Donc c'est quoi la différence? Carré plus... non, croix plus carré. Moi, je me rappelle jamais des combos. C'est tout simple, je fonce dans le tas et puis je tape. Parfois quand c'est... nécessaire, je l'ai fait, mais tu
connais pas Jack de Gotham. Tiens-toi informé, j'ai pas lu la suite. J'ai encore une amélioration? Ok. Combo Batarang. Améliore le Batarang lors des combos en lui permettant d'envoyer des ennemis à terre. C'est pas mal ça. Double la puissance des coups normaux quand ils sont exécutés avec un timing parfait. Multiplie le score de combo par 2 à chaque coup, permettant une activation plus rapide des actions spéciales. Ok, élimination inversée. Je pense que je vais prendre ça peut-être. Permet à Batman de se pendre, à une gargouille et d'attraper les ennemis qui passent en dessous pour les y suspendre. Oh bah, je sais plus lire moi. Amélioration armure V2. Version 2, j'imagine. J'ai un truc dans l'œil. C'est assez perturbant pour lui. Les fibres para-amides de qualité militaire tissées et moulées dans la partie du bas de costume couvrant le buste fournissent une plus grande protection contre les attaques. Vous voulez dire cette partie-là qui est déjà découpée? Je pense qu'on va prendre ça. Je ne sais pas si ça aura un effet sur la tenue. En tout cas, on pourra subir plus de coups. Voilà, donc on a une petite barre supplémentaire. Non, ça ne change rien sur la tenue. Déjà à l'époque, ça ne changeait rien. J'ai envie d'essayer quelque chose. Si vous me permettez. Je ne sais pas si ça a diffusé de la fumée. Non, même pas. Parce qu'il y a dans Arkham Origins, je crois. C'est le nom du jeu. Eh bien, quand on lançait un Batarang sur... Tais-toi, j'arrive plus à me concentrer. Quand on lance un Batarang sur les extincteurs, ça faisait de la fumée, on pouvait se cacher dedans. Apparemment, il n'y avait pas déjà cette mécanique dans celui-ci. Bon, on va avancer, on va pas écouter tous les... J'entends un téléphone encore une fois. On va pas se taper tous les enregistrements. Sinon, on va pas avancer du tout. Et puis moi, je pourrais jamais parler. Ce qui serait fort dommage, j'imagine. Puisque vous préférez ma voix à celle du Joker. Hop. Même les conduits sont hyper bien faits. L'étoile d'araignée et tout ça, c'est vraiment magnifique. Hein. Et inédit surtout. Alors, je sais plus du tout ce qui se passe ensuite, pour le coup. J'ai une vague idée des événements, mais l'enchaînement, ça ne me dit rien. Alors pour le coup, j'entends une musique dans le fond, mais hyper faible. Je vais peut-être la monter un tout petit peu, puisque c'est vrai qu'on n'en a pas souvent. Donc ça devrait pas me poser de problème. Voilà, ça devrait être mieux. Le jeu est magnifique, franchement. Regardez ces effets de reflet sur la cape et tout le costume. Est-ce que je suis au bon endroit? Super, c'est vous. Vous avez attrapé le Joker? Non, non, pas encore. Mais je vais le retrouver. Vous devez rester ici et empêcher quiconque d'entrer dans le manoir. Comme vous voulez, Batman. Personne ne passera. C'est sûrement ici que je dois aller. Hein. Parce que normalement, il devrait y avoir un petit point d'exclamation pour me dire où je dois aller. Donc soit je suis bigleux, soit il n'existe pas. Enfin, j'ai entendu parler qu'il fallait que j'aille voir la Batmobile. Ouais. Voilà. Exact. Oracle, désactivez le système de défense de la Batmobile. J'ai vu l'alerte. Qui a-t-il? Où êtes-vous? Je suis à l'extérieur du manoir d'Arkham. Harley Quinn a probablement déclenché l'alarme. Si elle a toujours Gordon avec elle, il pourrait être blessé. Ok, c'est bon. La Batmobile est toujours garée à l'extérieur du bâtiment de soins intensifs dans Arkham Nord. Je vous ai envoyé les schémas de l'ensemble de l'île. J'ai marqué les emplacements clés, comme votre voiture. Merci, Oracle.
Je peux aller ici, mais bon, aucun intérêt. Allez, on continue. Je suis perturbé parce que j'ai envie d'aller partout, moi, en fait. J'en reviens pas. Ils ont tué Jackson. Michael Restez Jackson. Avec votre collègue. Je mets un terme à tout ça. Pas mal les Maintenant. Petites caméras bien placées là. Comment faire? Par ici. Je suis passé sur l'extrême côté puisque, comme vous pouvez le voir, ils sont armés. Et je ne voulais pas prendre le risque. Donc là, il vérifie si on a bien retenu les techniques. Apparemment, c'est le cas. On ne peut pas ouvrir cette grille. On va retourner voir le petit gars. Qu'est-ce que c'est que ça? Cette zone n'est pas stable. Trop dangereux pour le grappin. Je vais devoir grimper à l'ancienne. Comment ça? Qu'est-ce qu'il me chante, lui? Par là? Ah oui. D'accord. Mais ça, c'est nouveau. Hein. Il n'y avait pas dans l'ancienne version. Je vais dire que c'est bon, on peut passer. On a travaillé sur cette île les 5 dernières années. Bon, il s'en fout. Mais moi aussi, du coup. Et on avance. J'adore ça. J'adore avancer. La Batmobile. Qu'est-ce qu'il fait? Ouh, je casse la gueule. C'est Batman. Casse la tronche. Casse la tronche. Ne laisse pas te frapper. Ah, les combos, j'arrive jamais à les tenir. Oui, je suis tout le temps en train de les briser au bout de 5. Tu vas vite. Bon, c'est pas grave. Je promets qu'avant la fin de ce let's play, on arrivera à faire une élimination. Il y a des réserves de gel explosif dans le coffre de la Batmobile. Donc c'est ce qui va nous aider à casser les murs fragiles. J'appuie un peu trop vite, désolé. Harley si vous a laissé lire. Des traces sur la voiture. On dirait qu'il y a eu une bagarre. Je dois fouiller la zone autour de la Batmobile. Je pourrais trouver un indice sur le lieu où elle a emmené Gordon. Ok. Voilà. Là, y a rien. Bizarre. Ah. C'est la pipe de Gordon. Barbara la lui a donnée. Il ne la quitterait pour rien au monde. Wild Country, le tabac préféré de Gordon. Gordon est plus intelligent qu'il n'en a l'air. J'ai plus de la force de tous ces clignotements là. Oracle, j'ai trouvé une pipe. Les initiales de votre père étaient gravées dessus. Je la lui ai offerte pour son anniversaire l'an dernier. Il ne l'aurait quittée pour rien au monde. C'est exact. Il m'a laissé une piste à suivre. Il est vivant, Barbara. Il l'aurait fait exprès? Donc on va essayer le gel explosif juste ici. Donc c'est ce genre de surface avec... je sais plus comment on utilise ça du coup. Voilà. Avec le petit truc pour dire « Ah, vas-y, explose-moi. » Dès que vous envoyez un dans les commentaires que je n'ai pas vu, n'hésitez pas à me les le portes dire, de sécurité à m'en sont informer. Fermées. Je vais devoir trouver un autre chemin et retourner sur la trace de Gordon. Mais bon, en général, on les voit assez bien. Par chance, on ne peut pas mourir. C'est fragile pour que mon gel explosif le fasse sauter et ouvre un nouveau passage. Heureusement, t'imagines. Le petit game over un peu nul, quoi. Zaz compte sur toi pour trouver son travail. Ok. Plutôt étrange cette énigme. Donc Zaz, si vous vous rappelez, c'est le mec au couteau qui électrocutait un policier dans le premier épisode. Si vous faites les cocos là. C'est Batman! Ah, vous voulez vous battre? Non, mais moi je vous embêtais pas. Hein, si vous voulez travailler. Aucun sous les bros. Ah, quelle horreur cette coiffure. Est-ce que c'est ici les traces de tabac? Le tabac. Qui c'est? C'est pas lui.
Ok, donc ça mène par là. Oh, il y a beaucoup de monde là-bas. Hein. Il vous paraît que c'est là qu'on se rend. C'est quand même fluide, hein, cette cape, tous ces petits détails, ces éclairages. Magnifique. On va essayer de les prendre par surprise. Si possible. On peut pas. D'accord. Bon, c'est une demi-surprise. Hein. Ok. Oh, on a réussi le combo. Bon, c'était pas ouf. Je m'attendais à mieux. Ah non, j'ai cassé encore une fois. Allez. 1 et 2. Ils étaient plus nombreux que les autres fois, mais ce fut plus facile. Donc on vérifie que ce soit par ici, ouais, c'est bien par là. Medical. Arkham Medical. Petite cinématique peut-être. Même pas. Hey, dégage, Patou! C'est mon moment à moi. Où est Gordon? T'aimerais bien le savoir. Je suis là. Oh, la ferme! Idiote! Allez! Ah, que fait-il ici? C'est trop tôt! Désolé, poussin. Ne sois pas en colère contre moi. Petite coquine, je ne peux jamais rester furieux contre toi. Désolé, Batman, tu vas devoir trouver un autre moyen. Bye bye maintenant. Je ne passerai pas cette porte de sécurité. Je dois trouver un autre chemin. Ok. Je sais pas à combien de minutes on est là de vidéo. Enfin, de let's play, on va dire. Je préfère faire des épisodes pas trop longs. Et quitte à en poster plus souvent, plutôt que des épisodes, je sais pas, 40-50 minutes. Déjà, je galérerais à les télécharger sur YouTube. Et en plus, simplement, beaucoup d'entre vous n'ont pas le temps de se taper des épisodes aussi longs. Moi, je peux me le permettre si je regarde un let's play. Mais je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Donc voilà. Oh, pas mal ça. Et en parlant de ça, on va s'arrêter là. Donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. On va se quitter sur une belle vue hein, quand même de Gotham City. Donc oui, dites-moi surtout, très important, dites-moi la durée des épisodes. Dites-moi si vous voyez des zones destructibles que je n'ai pas repérées. Et tout truc... que vous jugez important, hein, bien entendu, pas des commentaires stupides. Oh, qu'est-ce que c'est là-bas? On peut zoomer? On peut pas. Donc voilà, on se retrouve dans le prochain épisode. Je suis sur le bord là, hein, quand même. Allez, salut.